Voici le guide complet des défis de la semaine 2 de Fortnite. Le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des joueurs situés au-dessus de vous. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir obligatoirement trouver d'autres joueurs, ça ne fonctionnera pas avec les bots, et il faudra obligatoirement qu'ils soient au-dessus de vous. Ensuite, dès que vous voyez des ennemis qui sont un tout petit peu plus au-dessus de vous, là vous leur infligez des dégâts, et dès que vous aurez infligé 500 de dégâts aux adversaires au-dessus de vous, là vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de tirer dans la tête des joueurs avec le fusil d'assaut guerrier. Pour réaliser ce défi, si vous voulez trouver un fusil d'assaut guerrier très facilement, vous allez tout en bas de la map à Snoopy Step. Et à cet emplacement-là, vous avez un personnage qui va justement vous vendre le fusil d'assaut guerrier épique pour 300 lingots d'or. Vous lui achetez, et ensuite là, vous allez devoir infliger des tire-têtes aux adversaires. Donc vraiment aux joueurs, obligatoirement. Donc un tire-tête, ça s'affiche en jaune, comme vous avez pu le voir là, actuellement. Et les tirs dans le corps, ça s'affiche en blanc. Donc dès que vous aurez réussi à faire 5 tire-têtes avec le fusil d'assaut guerrier sur des réels joueurs, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de parler à Aphrodite, Artemis, Méduse ou Poséidon pour recevoir des objets gratuits. Pour réaliser ce défi, vous avez 4 possibilités. Soit vous allez près de Aphrodite plutôt, qui se trouve à Lavish Lair. Soit vous allez à Wrinkless Highway où se trouve Méduse. Poséidon plutôt, excusez-moi. Soit vous allez à Fencing Field où se trouve Méduse, ou soit vous allez en dessous de Fencing Field, donc juste ici sur la map, là où il y a Aphrodite. Donc à ces 4 emplacements-là, vous aurez un personnage, et ce que vous allez devoir faire, c'est de lui parler au personnage, et dès que vous allez parler au personnage, le personnage en question va vous donner une récompense, va vous donner des objets gratuitement. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est de parler 3 fois au même personnage, ou 3 fois à un personnage différent, au personnage que je vous ai cité, pour obtenir à chaque fois une récompense. Par contre, les personnages ne vous donneront qu'un seul objet gratuit par partie. Donc ça sert à rien de parler 3 fois au même personnage dans la même partie. Donc dès que vous aurez obtenu 3 objets gratuits en parlant au personnage, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires moins de 10 secondes après avoir détruit une structure. Donc, pour réaliser ce défi, ce que vous pouvez faire si vous jouez en duo ou en section ou en trio, etc., c'est de mettre quelqu'un en PLS. Ensuite, quand il est en PLS, là vous détruisez une structure, et dans les 10 secondes après avoir détruit la structure, vous devez l'éliminer. Donc par exemple, je détruis la poubelle, qui est compris comme une structure, et ensuite je l'élimine dans les 10 secondes qui suivent. Pour terminer le défi, vous allez devoir éliminer 3 adversaires de cette façon-là. Après, ça fonctionne aussi contre les bots, et ça fonctionne bien entendu contre les autres joueurs. Alors les structures, ça peut être aussi des structures que vous placez vous-même. Vous placez un mur ou un escalier, vous mettez un mec très low, donc là regardez, je vais lui enlever tout son shield et un peu sa vie, voilà. Ensuite je détruis ma structure et là je vais le finir. J'ai 10 secondes pour le finir. Dès que vous aurez réussi à éliminer 3 adversaires dans les 10 secondes après avoir détruit une structure, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance dans les 30 secondes après avoir atterri depuis le bus de combat. Donc pour réaliser ce défi, vous avez 2 solutions. La première solution, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, donc tout en bas de la map, et parler au personnage qui s'y trouve pour acheter les ailes d'Icar. Comme ça, vous allez pouvoir vous déplacer plus rapidement. Donc dès que vous atterrissez, là vous avez 30 secondes pour voyager. Donc hop, vous lui parlez et vous lui achetez directement les ailes. Ensuite, vous les utilisez et vous vous envolez le plus vite possible pour parcourir la distance en sprintant. Et dès que vous aurez parcouru 1000 mètres de distance dans les 30 secondes après avoir atterri du bus de combat, vous aurez terminé le défi. Après, vous pouvez le faire en plusieurs fois, c'est pas un problème. Après, la deuxième solution, c'est tout simplement de trouver un véhicule. Vous allez dans une ville, vous cherchez un véhicule dès que vous atterrissez du bus de combat, et ensuite vous faites les 1000 mètres en véhicule. Et dès que ce sera fait, là vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'obtenir des armes de niveau épique ou supérieur sur des joueurs éliminés. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver de réels joueurs. Quand vous avez des vrais joueurs en face de vous, vous les éliminez. Et si vous avez de la chance, ils vont avoir des armes épiques, légendaires, mythiques, etc. Donc il vous faut obligatoirement que les adversaires aient ce genre d'armes. Donc là par exemple, une arme épique, donc de couleur violette, pour que le défi marche. C'est la rareté minimum. Et dès que vous aurez réussi à obtenir, je crois que c'est 3 armes. Dès que vous aurez réussi à obtenir 3 armes de niveau de rareté épique ou supérieur sur de réels joueurs éliminés, là vous aurez terminé le défi. Code créé.